ONG Vivre Mieux, Dameu Rabitan. On y va. C'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger. Il y a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter. Je dis, il y a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger. Horoscope du jour, vendredi 19 avril 2024. Bélier, les réactions de votre partenaire peuvent enrichir votre vision des choses. Ne vous braquez pas. Prenez le temps d'écouter et de comprendre. Vous pourrez même en finir par adopter certains points de vue. Vos idées sont positives. On vous écoutera, n'en doutez pas. Taureau, vous maîtriserez davantage vos émotions et surtout, vous serez plus clairvoyant face à votre entourage. Si vous êtes célibataire, vous saurez faire la différence entre de belles paroles et des comportements sincères. Côté finance, la vigilance est de rigueur. Il n'y a pas de gros risque de perdre de l'argent, mais l'équilibre de votre budget n'est pas très stable. Gémeaux, vous ne serez pas vraiment préoccupé par votre vie sentimentale. Célibataire, vous plairez, chercherez à séduire et réussirez probablement. L'ambiance du jour vous donnera l'envie d'effectuer des changements dans l'organisation de votre travail. Cancer, vous aurez de la chance, vous bénéficierez de très solides protections astrales. Le bonheur à deux sera au rendez-vous dans un climat tendre et sensuel. Vous ne risquez guère d'avoir de mauvaises surprises sur le plan professionnel. Vous serez entreprenant et très efficace, mais il y a des risques de retard ou de difficultés de communication avec vos collègues. Lion, si vous vivez seul, les influences planétaires négatives du moment feront obstruction à votre épanouissement amoureux. Le domaine des finances sera moins bien influencé par les planètes. Vous devrez donc faire preuve de prudence dans vos dépenses ou vos investissements. Vierge, votre générosité pourrait attirer des profiteurs. Ne soyez pas crédule et ne pensez pas que tous sont vos amis. Vous vous lancerez dans un nouveau projet. Ce sera un travail ardu qui va valoriser vos compétences. Balance, vous serez davantage gouverné par vos pulsions. Ce n'est pas le moment de chercher à raisonner. Laissez-vous porter. Vous aurez l'occasion de vous retrouver un peu. Vous allez pouvoir cultiver vos relations. Vous êtes plus proche de votre équipe. Scorpion, vous n'aurez qu'une envie, vous évader quelques jours avec votre partenaire. Vous renforcerez ainsi votre complicité et vous éprouverez même un net regain de passion. Les choses vont commencer à bouger côté travail, mais ne brûlez pas toutes les étapes. Ne vous laissez pas gagner par l'impatience pour éviter de potentiels conflits. Sagittaire, vous aurez envie de bousculer vos habitudes, de vous tourner vers d'autres horizons. Vous serez ouvert à de nouvelles expériences et votre partenaire devrait vous soutenir dans vos perspectives d'avenir. Des signatures de contrats sont possibles. Les investissements sont à l'ordre du jour. Vous aurez dans l'idée de faire fructifier votre argent, mais vous risquez de vous tromper de méthode. Capricorne, un challenge vous attend et vous aurez peur de ne pas être à la hauteur. Le soutien de votre partenaire sera important. La vie de famille vous prend beaucoup de temps et même si le plus souvent cela vous convient aujourd'hui, vous chercherez à trouver un peu de temps pour vous. Verseau, ne vous fermez pas comme une huître, fidèle à votre habitude. Si vous êtes troublé, laissez plutôt vos sentiments
parler pour vous. La vie de famille vous absorbera plus que d'habitude. Vous penserez tout naturellement aux personnes que vous aimez et qui sont loin de vous. Vous serez tenté d'explorer de nouvelles pistes professionnelles. Poisson, célibataire, ne laissez pas votre esprit romantique vagabonder. Vous pourrez avoir quelques désillusions. Si vous venez de faire une rencontre sur un site dédié, profitez au maximum de ces moments de découverte et laissez le temps faire son œuvre. Vous devrez vous entourer d'un maximum de précautions avant de signer quoi que ce soit. Côté finance, vous pourrez avoir une heureuse surprise. Le remboursement d'une dette ou d'un trop perçu d'une administration. Dame Eurabitan, visionnaire astrologue, vous souhaite un excellent début de week-end et vous informe que le samedi 27 aura lieu le déjeuner spirituel à partir de 13h13. Lors de ce déjeuner spirituel, vous aurez à manger la viande de crocodile qui est conçue dans des conditions spirituelles les plus adéquates pour vous permettre d'avoir de la vitalité, d'avoir de l'énergie et d'avoir également de la longévité. Pour y participer, si vous êtes célibataire, c'est 15 000. Et si vous êtes à deux, vous prévoyez 25 000. Le dernier délai pour s'inscrire, c'est bel et bien demain, qui est le samedi à 18h18. Ne ratez pas cette opportunité qui vous aidera et vous donnera l'énergie nécessaire. Le lendemain, qui est le dimanche, vous aurez l'occasion de vous faire former pour avoir des recettes pour protéger vos événements contre la pluie imprévue. Pour protéger vos événements contre des perturbations pluvieuses. Ça serait le dimanche 28 à partir de 9h. Frais de participation 30 000 francs. Et vous devez retenir que cela vous aidera à ne plus être perturbé par des pluies provoquées par des aigris ou des jaloux. Pour tout renseignement, appelez-nous au 94 33 118 118. Je vous remercie. Manger la nourriture consacrée à la divinité dans le serpent.